nombreux. Gilles, c'est un sujet intéressant. Ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas pu vivre cette expérience ensemble. C'est Exact. un REM Excellence spécial, particulier, sur un thème passionnant. Comment vos concurrents peuvent nous aider ou vous aider à faire plus de ventes? Écoute, moi, ça m'intéresse en tout cas de comprendre et d'avoir de tes lumières sur le sujet. Ah ben écoute, avec plaisir. Alors, j'ai partagé, évidemment, ça va être encore la petite. On te voit, tu sais, point trop d'infos. Déjà, on te voit. T'as un paperboard, un stylo dans les mains. Tu sais que parfois, quand on en fait Donc, trop, ça passe rassure-toi, pas. avec le paperboard, dans tous les cas, je m'en sortirai. C'est juste pour votre Ah, confort mais je à sais, en plus, vous. le paperboard, c'est ta spécialité. Exactement. Non, mais c'est Donc, vrai. Et là, pour il est votre bien confort. placé. Tu es dans le champ. Tout le monde attend. Voilà, 40 minutes ensemble. Et puis, on va pouvoir aller profiter d'une terrasse. Voilà, on a tous besoin. Génial. Et Top. on est dans C'est les temps. les terrasses sont ouvertes maintenant, hein? Ah oui, chez nous, c'est ouvert. Je ne sais pas si c'est ouvert chez toi, mais chez nous, c'est ouvert. Il faut absolument en profiter. Donc, mon image est médiocre. Finalement, ce n'est pas très grave qu'on ne me voit pas. L'important, c'est qu'on entende et que l'on voit Gilles. Gilles, c'est à toi. Ok, moi je ne me vois pas, je vous avoue, mais Alors, on te voit, tout va bien. Je t'entends. Est-ce que vous ok. entendez Gilles? Je pense que oui, le plus important, c'est Gilles. Gilles, Est-ce que c'est à vous toi. voyez, le Ah, on point? voit même la présentation. Si en plus tu as réussi à mettre en place ta présentation, c'est super. On a tout. Super, le seul C'est qui voit parfait. la présentation, c'est moi. On te voit, tu vois Laetitia te voit, Sébastien te voit, c'est parfait. Ok, Allons-y. génial. Bon, quittez. Alors, j'aimerais vous parler eh bien, de la concurrence et surtout vous parler un petit peu de mon envie de vous parler de cette concurrence. Alors, comme vous le voyez, la définition de la concurrence, alors je vais quand même essayer de retrouver mon média parce que moi, je ne me vois pas là où vous me voyez, moi. Ok. On te voit et tout va bien. Il suffit après que tu appuies sur page suivante, slide suivante pour pouvoir effectivement dérouler ta présentation. Tu es sur la première slide là. Mais ouais, mais je. Tac, Tu as tac, du mal à faire avancer ta slide. Là, tu es toujours sur la première. tac. Je sais pas, j'ai du mal à. Voilà, nickel, merci. Ah là Bon, là là. Merci voilà, si vous Marc. voulez vous Ah, il faut parler de être la deux. concurrence, donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord voir dans le dictionnaire ce qu'il raconte sur la concurrence. Alors, Mais voilà ce qu'est-ce que qu'il c'est montre. que la concurrence, effectivement? Alors, c'est Exactement. quoi? Nom féminin, rivalité entre plusieurs personnes, plusieurs forces poursuivant un même but. Et autres rapports entre producteurs, commerçants qui se disputent une clientèle. Alors évidemment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oi, 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 mais comment est-ce que je vais pouvoir parler de la concurrence à tous ces gens qui vont nous regarder, puisque par définition, on n'a pas été éduqué avec un mot comme concurrence qui va dans le sens positif des choses. Alors moi, je me suis dit, OK, on va plutôt mettre authenticité entre plusieurs personnes, plusieurs forces poursuivant un même but. Je trouvais que ça allait sonner beaucoup mieux. Et au lieu de mettre rapport entre producteurs, commerçants qui se disputent une clientèle, j'allais mettre qui se partagent une clientèle. Et là, ça va tout de suite donner une nouvelle dimension à la concurrence. Tu Alors, réinterprètes en fait savoir. la définition de la concurrence, en fait, c'est ça. En fait, tu Exactement. prends la définition, mais tu l'interprètes, Je l'interprète et je la transforme pour tu la qu'elle transformes. aille plutôt dans mon sens. Et donc, c'est juste voir. Le monde avec des autres lunettes. Alors, c'est vrai que je suis tombé dans la marmite récemment, puisque pendant 5 ans, j'ai fait du développement personnel. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir plus de des milliers de personnes, en fait, dans un laboratoire à ciel ouvert. Hein. C'est pour ça que j'ai mis ça sur le PowerPoint, un vrai laboratoire à ciel ouvert. Et j'ai pu vraiment comprendre, mais tiens, quelles étaient les bonnes pratiques et quelles étaient les mauvaises choses à mettre en place si on voulait être successful dans quel que soit le business dans lequel on se lance. Et je me suis vraiment rendu compte que tous les individus, les entrepreneurs et évidemment les agents immobiliers qui Qui créaient dans leur réussissent. univers des partenariats plutôt que des concurrents, eh bien, faisaient des croissances plus rapides et plus saines que les autres. Alors, sur du court-moyen terme, puisqu'on est entre 1 an et 5 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'assurance, dans lequel j'ai travaillé 13 ans, et c'était un énorme groupe financier, puisqu'on encaissait 50 milliards d'euros par an, donc c'était vraiment un énorme groupe, eh bien, chaque année, on mettait les meilleurs ensemble, qui étaient en fait les concurrents, hein, puisque si demain j'ai la même agence que, je sais pas, si je prends Century 21, pour ne citer qu'eux, et que j'ai quelqu'un qui fait une agence à 3 km de chez moi, par définition, c'est un concurrent. Eh bien, ces gens-là, si c'était les meilleurs de leur secteur, on les réunissait, on leur demandait, mais c'est quoi tes trucs et astuces? Et on s'est rendu compte que si on échangeait et qu'on crée des partenariats plutôt que de la concurrence, eh bien, les chiffres étaient en augmentation. Et je vais venir avec des choses très mathématiques pour vous, pour que vous puissiez vraiment comprendre à quel point c'est un avantage.
Alors, est-ce que comme c'est je pas une dis, histoire d'état d'esprit, Gilles? Est-ce que tu m'entends? oui, je t'entends très Est-ce que bien. c'est pas finalement cette introduction un état d'esprit? C'est-à-dire qu'on peut effectivement être inquiet, toujours effectivement regarder en face et dire voilà un nouveau concurrent qui arrive, et puis finalement on peut aussi prendre les choses un peu de façon différente avec une voilà tu parles de laboratoire, un mindset un peu différent, en disant que voilà c'est peut-être des concurrents et peut-être pas uniquement, et voir les choses différemment et envisager comme tu le dis des partenariats, c'est ça? Avec Exactement, exactement. Et donc, je vais élaborer là-dessus. Donc, je vais être plus précis. Je donne juste un petit peu le cadre. Mais là où je te rejoins à 100%, c'est il faut apprendre à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est un vrai état d'esprit. Mais je pense que c'est important de le souligner, puisque aujourd'hui, dans le business, eh bien, il y a des gens qui sont en train de mordre la poussière. Il y en a beaucoup qui souffrent aujourd'hui avec ce qui se passe. Et à côté de ça, il y en a plein qui cartonnent. Eh bien, je suis certain que, d'une part, il y a cette capacité d'absorber le changement et de prendre les choses avec plus de sourire, plus de relativité. Et la concurrence, ça fait aussi partie du même univers, de notre univers professionnel du quotidien. Et donc, pourquoi aller me chamailler avec la concurrence plutôt que de l'utiliser à bon escient? Et je vais un petit peu vous expliquer les différentes perceptions que moi j'ai de la concurrence et comment ça m'a aidé à grandir et faire énormément de ventes en plus et surtout plus de chiffre d'affaires et d'organiser mon business. C'est l'objectif du jour, hein. On va avoir des méthodes pratiques pour faire plus de business, hein. C'est Tout marqué dans à le titre, hein. Donc nous, on lâche rien, hein. On a des fait. réponses, hein. Tu as bien raison, ne lâche rien, je ne suis pas du genre à lâcher l'affaire. Alors, première chose, et pour justement changer un petit peu ce système de croyances qu'on a par rapport à la concurrence, et c'est le chemin que je vais faire, hein, changer un petit peu les croyances, aller dans l'émotionnel et puis parler de stratégie d'action, c'est que la concurrence, si on a, c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a du marché. Par définition, plus il y a d'experts dans un domaine, mais plus il y a de demandes sur ce marché. Et donc, si par exemple, il y a aujourd'hui énormément d'agents immobiliers, eh bien, tout simplement, c'est parce que le marché immobilier est fantastique. Il y a énormément de transactions qui se font, achats, ventes, locations, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, construction. Et donc, s'il y a de la concurrence, il y a du marché. Et donc, c'est assez positif de me dire, je suis dans un business dans lequel il y a du marché. Donc aussi, il y a plein de concurrents autour de chez soi. On se dit, bah, c'est normal parce qu'il y a vraiment beaucoup de business, et donc finalement, c'est pas très grave. Tout C'est à fait. ça, je Si on résume. regarde, je ne sais pas moi, le nombre de pompes à essence qu'il y a des pompes à essence partout et il y en a plein qui se portent très très bien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout le monde a besoin d'essence. Donc, ça veut dire que s'il y a marché, il y a beaucoup de concurrence. Donc, c'est positif dans mon état d'esprit. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, et c'est pour ça que je l'ai noté, c'est qu'on est tous des consommateurs finaux. Et plus il y a de la concurrence, plus l'entreprise et ce qui crée l'identité de l'entreprise sont obligés de créer plus de services pour satisfaire le consommateur, puisqu'il y a d'abord une compétition qui va se faire au niveau du prix parfois, et puis si ce n'est pas au niveau du prix, c'est au niveau du produit, au niveau du service. Et donc l'être humain est obligé, entre guillemets, de sortir ou d'agrandir sa zone de confort pour proposer plus de qualité aux consommateurs finaux. Et comme on est tous des consommateurs finaux, eh bien, sachez que la concurrence est quelque chose de très sain, c'est quelque chose en plus de régulé, et ça nous aide à consommer d'une meilleure manière. Et donc, comme nous sommes tous des consommateurs, vive la concurrence. Donc, comme ça, tu as bien compris, Thibaut, que mon état d'esprit vis-à-vis de la concurrence, elle est Positif. Bon, plutôt c'est vrai que c'est positive. bien la concurrence, mais quand il y en a un peu moins, c'est quand même un peu mieux, quand même. Il faut quand même le dire. Eh bien, pas toujours, et donc on va en parler, pas toujours. Allons-y. Et Essaye de donc, me convaincre. Non, mais là, t'essayes de me convaincre. Donc, vas-y, il faut que tu y ailles quand même, hein. ouais, tout à fait, rassure-toi. Mais donc, moi, à la base, je suis fils de militaire. Et donc, par Ouais. définition, j'ai une éducation très martiale, que ce soit dans le combat que je dois faire ou dans l'utilisation des armes, mais aussi dans les stratégies militaires qui m'ont été apprises. Voilà, dans la vie, on peut choisir soit de se faire des alliés, soit de se faire des ennemis. Eh bien, je vous promets que faire la guerre, ça rapporte pas d'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut vraiment être un taré, excusez-moi du terme, pour aller dire que les guerres rapportent de l'argent ou il faut jamais avoir fait une guerre de sa vie ou ne fût-ce que vu un documentaire sur ce qui se passe dans les grandes guerres. Ce qui rapporte de l'argent, ce qui amène la paix, ce sont les alliés. Et d'ailleurs, la seule méthode que l'être humain a trouvée pour pas se faire la guerre, c'est de faire du business, c'est de faire du commerce. Et donc, pour faire du commerce, eh bien, évidemment que je dois connaître ma concurrence et évidemment que cette concurrence, il faut que je
je la protège et que j'en fasse un allié. Tu vas protéger la concurrence. Mais là, Gilles, il ne faut pas prendre de médicaments avant de commencer l'émission. Hein. Ce n'est pas bon. Alors, hein. Alors, je vais protéger la concurrence parce que si je protège la concurrence, un, je protège mon marché. Ouais. Deux, je protège ma profession. Et surtout, je vais, moi, monter sur un piédestal vis-à-vis de ma clientèle. Et ça, je vais t'expliquer comment tout de suite, Thibaut. Alors ça, ça m'intéresse. Donc, hein. Écoute, c'est pour ça qu'on est là. Et il me reste encore 48 minutes pour t'enchanter avec. J'espère que tu vas me convaincre. Hein. Donc, rassure-toi, j'y arrive. Alors, comme nous sommes tous des consommateurs, eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment la concurrence peut me permettre justement de faire plus de ventes. On est d'accord, puisque c'est… C'est ça le thème de l'émission. Hein. D'abord, c'est parce que j'ai compris une chose. La plupart du temps, on a tendance à vouloir écraser nos concurrents, à vouloir les détruire. Hein. C'est peut-être un process qui nous a été appris. Eh bien, pour moi… C'est très dangereux si vous faites ça, parce que la plupart des agents immobiliers et de tous les artisans, et on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde est composé d'artisans, et au fait, il y a des très grandes boîtes, mais le reste, ce sont beaucoup des artisans. Eh bien, les artisans, par définition, ils maîtrisent un art. Et quand ces entreprises disparaissent, leur art disparaît avec eux. Et donc, posez-vous la question, et c'est pour ça que je parlais d'échange, de best practice au début de ce webinaire. Eh bien, sachez que chacun d'entre nous est un artiste, surtout dans le milieu des agents immobiliers. Et donc, il est très intéressant d'aller voir, mais tiens, toi, c'est quoi ta technique de prospection? Tiens, toi, comment est-ce que tu vas chercher des mandats mandat seul? On appelle ça… Oui, l'exclusivité. Exclusivité, comment tu vas chercher? Ah oui, c'est important les exclusivités. Ouais. Donc, ce que tu dis, c'est que tu vas aller voir les concurrents et tu vas leur dire, voilà, écoute, j'ai besoin d'apprendre comment… rentrer plus d'exclusivité. Et donc, tu penses que le concurrent va te le dire, c'est ça? À condition que toi, tu viennes lui apprendre une technique que tu que lui maîtrises. Il y a un échange. Qu'il y ait un échange. Et tu sais, quand tu vas travailler sur le même marché, la probabilité, et donc je vais en parler de ces probabilités, la probabilité que, par exemple, ton personnel, alors j'ai appelé ça l'échangisme, hein, parce que échangisme, ouais, je sais pas quelles sont les significations. Échangisme. J'y arrive. Ça, en Belgique, mais alors en France, c'est quand même particulier, quand même. C'est vrai que c'était plutôt ralenti ce métier en ce moment, parce que tu sais qu'on pouvait pas sortir. Il y a une touche d'humour, hein, je te rassure, Thibaut. Mais il faut savoir. Il y a une touche d'humour, je le savais. Dans les villages, dans les villes, s'il y a des mêmes business, donc sur le même marché avec 5 km à la ronde, donc j'ai mon agence et toi, tu as ton agence immobilière 5 km plus loin, eh bien, sur les 5 ans. Qui viennent, il y a 25% de chances que ton personnel aille travailler chez ton concurrent et que le personnel de ton concurrent vienne travailler chez toi. D'accord ? Alors, si demain, mes concurrents forment bien ces gens et que ces gens partent parce qu'à un moment donné, il y a un problème au niveau des valeurs, au niveau de l'identité, au niveau de la personnalité, mais pas au niveau des compétences, et que ces gens viennent travailler chez moi, eh bien, je suis content que mon concurrent ait bien formé cette personne et vice-versa. Parce que c'est juste la bonne personne qui n'est pas dans la bonne entreprise. Et donc, je ne dois pas recommencer tout un travail de formation et tout un travail à long terme d'encadrement vis-à-vis de ces gens parce qu'ils ont été bien formés et bien encadrés par mon concurrent. De plus, si je sais que ça va arriver, pourquoi est-ce que je vais aller critiquer mon concurrent plutôt que de moi aller progresser là où je dois aller progresser? Donc, au lieu de perdre mon temps à critiquer mon concurrent, que moi, je me regarde devant la glace et me dire « Ok, comment je peux être une meilleure version moi-même et justement être meilleur que mon concurrent ?» Et donc, je vais encore te donner un truc juste après. Et le fait de se positionner de cette manière et de savoir que de toute façon, une partie de ce personnel va quand même aller voir chez mes concurrents, autant que je parle bien avec mes concurrents et autant que je m'entende bien avec eux. Ce sera toujours plus facile pour partager des commissions s'il devrait avoir partage de commissions. Et on sait que ça se fait dans le secteur de l'immobilier, mais ça se fait aussi dans plein d'autres secteurs. Et puis surtout, eh bien, ça va permettre à court, moyen et long terme d'avoir une très, très bonne image du secteur de l'immobilier et évidemment des différentes agences. Donc, c'est vraiment un chiffre à maîtriser. Je sais que quoi qu'il arrive, je vais aller avoir des gens qui viennent d'autres bureaux. Alors, tant qu'à faire, autant protéger la profession. Alors, comment ça peut… Très bonne analyse, intéressant. D'où me vient en fait cette manière de faire les choses? Il y a quelques années, je te parle de ça, j'avais 27 ans, donc il y a plus de 10 ans, je roulais dans une très belle Mercedes classe E cabriolet, AMG, enfin voilà, un beau véhicule, j'adorais cette bagnole. Et un jour, je vais chez BMW, pour ne pas les citer, et j'aimais aussi la série 6 cabriolet à l'époque, et je vais voir cette série 6. Et là, le monsieur que j'ai en face de moi me pose d'abord la question, mais tiens, avec quoi vous roulez comme voiture? Quand il voit que je regarde la série 6, j'avais en face de moi un vendeur inexpérimenté et vraiment nul. Je tiens à le préciser, mais c'est pas grave, il devait apprendre. Et lui, ce qu'il me dit quand je lui dis que je roule dans une Mercedes, il rigole. Il dit « Oh, les Mercedes, c'est des voitures de vieux ».
Alors, bon, il y a peut-être d'autres personnes qui regardent ce webinaire qui pensent ça. Mais quand moi, j'avais 27 ans et que je roulais dans une bagnole à 70 000 euros et que j'avais en face de moi un gars qui n'avait pas les moyens de rouler dans cette voiture, je l'ai très mal pris sur le moment. Et donc, je suis parti et je n'ai jamais acheté de BMW. Et Dieu sait pourtant que j'ai acheté beaucoup de voitures. Et en fait, j'ai eu ce déclic. J'ai eu ce déclic par rapport à la concurrence. Et je vais montrer ça sur un tableau. Hein. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi, j'arrive à l'époque chez BMW, ma Mercedes, je lui mets un 10 sur 10. Je lui mets un 10 sur 10. J'adore cette voiture. Et comme je lui mets un 10 sur 10, partout, avec n'importe quel entrepreneur avec qui je suis, je fais la publicité de Mercedes. Quand je rencontre ce vendeur qui me dit que ma voiture, c'est une voiture de vieux et qu'il me dit franchement, c'est, ça ne tient pas bien la route et blabla et blabla et blabla, mais tout à coup, ma perception de mon véhicule, elle est de 6 sur 10. Ah, donc, ça t'a influencé, ça t'a vraiment affecté, oui. Ça m'a vraiment affecté. Mais comme pourrait avoir un impact de demain, je rencontre un représentant d'une autre agence immobilière et que cette agence immobilière me dit « Mais ne travaillez surtout pas avec ceux-là parce qu'ils sont ça, 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 ça » et on insulte et on dit plein de mauvaises choses sur ce concurrent. Mais mon client qui est en face de moi, peut-être qu'il mettait un 10 sur 10 à ce concurrent. Et là, tout à coup, il lui met un 6 sur 10. Et donc, même si je sors le mandat, quand je sors de chez ces gens, j'ai moi 7 sur 10 ou 8 sur 10. Alors que si je protège ce 10 sur 10, je dis « Madame, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison, ces concurrents, ils sont très performants. Ils travaillent bien ceci, ils travaillent bien cela, ils travaillent bien cela. Chez nous, on est meilleurs. Parce qu'on fait ça en plus, et on fait ça en plus, et on fait encore ça en plus. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer le mandat, mais j'aurai un 12 sur 10. La profession est protégée. Mon concurrent, il n'aura jamais entendu que je dis du mal de lui, que du contraire, il a dit que c'est quelqu'un qui travaille bien. Et croyez-moi, les clients, ça, ils le perçoivent, que vous avez cette bienveillance vis-à-vis d'eux. Mais surtout, comme j'ai un 12 sur 10, vos clients, ils vont vous recommander. Ils vont vous envoyer d'autres mandats. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de faire des… vous savez, quand on fait la guerre, on fait pas une on dit on a gagné une bataille, mais pas la guerre. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de batailles répétées les unes après les autres qui vont faire qu'on va gagner la guerre ou pas. Eh bien, mesdames, messieurs, ne gagnez pas des petites batailles à la con, excusez-moi du terme, pour aller descendre mon concurrent et puis de toute façon ressortir de chez lui où même si j'ai le mandat, il a une mauvaise image des agents immobiliers et une mauvaise image de mon entreprise et une mauvaise image de moi en tant que vendeur. Parce que et dégommer mon concurrent. Un peu un jeu à somme nulle, effectivement, alors qu'on peut vraiment avoir un jeu à somme positive. Tout le monde gagne, en fait. C'est-à-dire que, exactement. C'est vraiment une bonne leçon, un bon exemple, un très bon exemple. Merci. Eh bien, c'est un exemple que moi… Comment ça me convainc, là? Depuis des années, et je l'ai appliqué dans plein de secteurs d'activité, que ce soit les finances, que ce soit le développement personnel, que ce soit la téléphonie, l'immobilier aujourd'hui, ou que ce soit même dans une boîte de bien-être que j'ai ou dans une autre boîte artistique. Et je t'assure que ça, c'est hyper positif. Et donc, on s'attire des gens plus positifs, on s'attire des concurrents plus positifs avec qui on crée des partenariats. Et comme tu l'as bien vu, la perception des clients, elle va être juste topissime. Ces gens, c'est des professionnels, ils sont très positifs, ce sont des gentlemen en fait. Ben, Sébastien nous parle de l'effet boule de neige et effectivement, ne pas critiquer la concurrence, Stéphanie. C'est vrai qu'on n'est pas gagnant, on n'est jamais gagnant. On peut toujours mettre en avant sa propre entreprise sans mettre en défaut le concurrent. Exactement. Et donc, bonne remarque. Rappelez-vous que… Il y a une grosse différence entre l'empathie et la sympathie. La sympathie, c'est oui, bah, ok, je suis sympa, aïe, aou, je rigole dans le bon sens, j'essaie de discuter un peu de tout et de rien avec le client. L'empathie, c'est me mettre à sa place. Et croyez-moi, pour beaucoup de clients aujourd'hui qui ont un peu d'aversion vis-à-vis d'un secteur comme l'immobilier, ben, c'est parce qu'en fait, ils sont rarement tombés sur des gentlemen qui fonctionnaient comme ça. Et ça, c'est l'impact du mauvais travail qui génère qu'aujourd'hui, quand vous appelez certaines personnes et que vous dites que vous êtes agent immobilier, les gens le prennent mal. Et moi, comme je suis un peu nouveau et je viens de manière crédule dans votre secteur d'activité, eh bien, moi, je ne comprends pas parce que je ne pourrais pas passer sans un agent immobilier pour vendre un bien ou pour louer un bien. C'est chacun son métier. Et moi, j'ai une superbe image des agents immobiliers. Mais pourquoi? Parce que les agents immobiliers que j'ai rencontrés étaient des gentlemen. Eh bien, moi, je vous invite à aller pousser… même dans l'excès, cette volonté que tout le secteur d'activité des agents immobiliers soit un secteur de gentlemen. Et tout le monde a y gagné, je vous promets. De se faire des dégâts, ça coûte des sous et ça n'apporte rien. Est-ce que c'est valable dans toutes les périodes? Il y a des périodes d'expansion, des périodes favorables, des périodes défavorables. Est-ce que cette analyse-là, elle fonctionne dans tous les cas? Eh bien, elle fonctionne dans tous les cas, surtout dans un marché comme celui de l'immobilier.
Parce que l'immobilier, vous savez, moi j'entendais quelqu'un, un très mauvais conseiller apparemment, qui disait, vous savez, c'est jamais le bon moment d'investir. Mais moi, je vais vous dire, c'est toujours le bon moment d'investir dans l'immobilier. C'est toujours le bon moment. Parce que même quand vous achetez, quand c'est une bulle immobilière très très haut, même si ça va se casser la figure 2, 3 ans plus tard, ça va quand même remonter. Et donc 7 ans plus tard, votre investissement, il est stabilisé. Et ça, c'est depuis des générations et des générations que c'est comme ça. Donc c'est toujours le bon moment d'investir dans l'immobilier. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que oui, pour l'instant, on est sur un pic parce qu'il y a plein de transactions immobilières. Mais croyez-moi, c'est aux agents immobiliers de maintenir ce momentum. Vous pouvez maintenir ce momentum de transactions assez, je veux dire, courtes. Il y a de plus en plus de biens sur le marché, mais c'est aux agents immobiliers, par leur prospection, par leur professionnalisme et par les mandats qui vont rentrer et cette envie de faire circuler les biens, que ce momentum va rester le plus longtemps possible. Par la collaboration. Par la collaboration, tout à fait. Et donc là, ben, il est temps, surtout que le marché est un Eldorado, il est temps d'arrêter de se tirer dans les pattes et d'utiliser énormément d'énergie pour aller se tirer dans les pattes. Non, je vais plutôt aller accompagner mes concurrents en disant, écoutez les gars, c'est le moment, c'est l'instant de faire une superbe dizaine d'années de carrière incroyable. Et pendant ce temps-là, eh bien, on fait cartonner son business. Alors, de manière très pragmatique, hein, Thibaut, puisque je vois que le temps avance un petit peu, la concurrence, moi, quand je suis en rendez-vous, ce n'est pas moi qui vais en parler en premier. Parce que par définition, je ne vais pas me mettre une balle dans le pied. Mais comme tu l'as compris, si on en parle, j'en parle en bien, et moi, je vais me positionner au-dessus. Et voire même, je vais prendre des super concurrents et je vais me positionner au-dessus. Parce que comme ça va me donner énormément d'aura, énormément de crédibilité. Et donc, les gens vont me faire plus facilement confiance. Et comme je l'avais déjà vu avec toi dans un autre webinaire, eh bien, il faut vraiment 3 choses pour que le deal se fasse. Il faut confiance dans le produit, dans le service, hein, 10 sur 10. Il faut 10 sur 10 dans l'entreprise et 10 sur 10 dans le vendeur. Eh bien, là, si j'ai déjà 10 sur 10 pour le vendeur et l'entreprise, ben, il n'y aura plus qu'à plaire avec mon service et mon produit. Mais je veux dire, l'affaire, elle est déjà dans le sac. Et alors, je rappelle que ben, plus je parle en bien des gens et plus je vais m'attirer des gens bien autour de moi, ça c'est un des 4 accords Toltec. Et je pense que notre parole est créatrice et que c'est bien de dire la vérité. En tout cas, de ne pas commencer à dégommer Et nos si on concurrents. revient sur ton exemple du début, effectivement, a priori, est-ce que tu as acheté une BMW? Tu as toujours Jamais. pas, Donc voilà, j'ai toujours pas. jamais Donc ça acheté n'a de pas servi BMW. ni au vendeur en question, ni malheureusement à la belle marque qui est BMW. Tout à fait. Voire Et même, mais regarde, voire même, je leur fais une mauvaise publicité tu aujourd'hui. roules en quoi aujourd'hui? Je roule toujours en Mercedes. Ou tu J'ai roules acheté toujours en Mercedes? un gros Non, SUV Mercedes, voilà, tout à fait. parce Mais. qu'il y a peut-être des vendeurs d'Audi avec nous, on ne sait jamais. Ah, mais écoutez, Volvo, c'est pas mal Volvo aussi, hein. les bienvenus. C'est juste que, bon, ben voilà. Et vous savez, Audi a fait notamment une pub de Gentleman pour l'arrivée aux 24 heures du Mans de Porsche. On voyait une Audi qui quittait le siège de Audi et qui allait devant le siège Porsche et qui, avec le frémissement de ses pneus, faisait le logo Welcome Back en lui disant bienvenue, bien Ouais, mais il y a retrouvé. eu une très belle pub dernièrement, je crois que c'est McDo. Non, c'est Burger King qui faisait une pub sur McDonald's. Enfin, c'était très intelligent. Et justement, je pense que la vieille rivalité entre Burger King et McDo a cédé la place à une compréhension qu'il y a une vraie volonté de parler du métier, voilà, du métier et de se valoriser mutuellement. Et voilà, et puisqu'ils communiquent énormément, finalement, les clients vont à la fois chez McDonald's et chez Burger King. Et tu Et sais ça ce se passe bien en qui général. a créé ça? Eh bien, parce que c'est bon d'utiliser des métaphores pour les gens qui nous suivent. Pour moi, parce que vraiment, l'automobile, c'est devenu quelque chose de gentleman vu les années Bonjour d'expérience. Mariana. Oui, Eh je bien, te le seul rejoins encore. bénéficiaire de ça, c'est la Formule 1. La Formule 1, regarde jusqu'où ça peut aller quand tu amènes des gens avec une concurrence saine. Eh bien, ça crée la Formule 1. Regarde le golf, c'est de la concurrence un peu plus saine puisqu'ils ont un système, c'est un sport de gentleman avec les handicaps. Donc, ça veut dire que si demain je me mets au golf, je pourrais battre Tiger Woods, puisque ben, j'ai un C'est handicap vrai, c'est très, vrai. très. Enfin, lui, il a un handicap très dur par rapport au mien. Et donc, j'ai plus de chances de bien jouer, en fait, que Tiger Woods. Eh bien, ça, c'est ce que amène une protection de la concurrence et de se dire, OK, mais en fait, au bout du compte, on va dans le même sens. Très intéressant. Alors, Alors, là, ici, j'ai un exemple de ce qu'on pourrait trouver pour l'utiliser de manière pragmatique sur le terrain. Alors là, c'est un avis sur les différents médias sociaux. Mais donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de montrer, ben, regardez, ça, c'est notre agence, ça, c'est celle peut-être d'à côté, et de mettre
des signes verts là où on fait bien les choses, mais pas commencer à mettre des croix rouges là où on les fait mal. Je sais que dans l'enseignement, c'est quelque chose qui était assez poussé. Hein. C'est plutôt, tu as trois mauvaises réponses plutôt que sept bonnes réponses. Eh bien, ça peut aller jusque-là dans ma comparaison avec mes concurrents. C'est dire plutôt, ben, regardez, au lieu de dire eux, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, c'est dire voilà tout ce que mes concurrents, ils ont et voilà ce que moi, j'ai en plus. Et donc là, vous valorisez vraiment très fort votre service supplémentaire et surtout, ce que vous avez comme la concurrence, ben en fait, pour la personne que vous avez en face de vous, c'est acquis. Alors que pour votre concurrence, il est à son best effort quand il va montrer les quelques points dans lesquels il est bon. Eh bien, vous, vous dites, non, ça, moi, ce n'est pas mon meilleur effort. Ça, pour moi, c'est la base. Moi, ce que je vous propose, c'est ça, ça, ça et ça en plus. Et donc, ce type de tableau en rendez-vous, ben, ça a un impact hyper positif chez les clients. Effectivement, intéressant. Donc, plus de croix rouge, on met des ronds. Ça marche. OK. Alors, très clair. Une question, comment progresser sans compétition? C'est Pascal qui la pose. Comment progresser sans compétition ou saine concurrence? Est-ce qu'on peut d'ailleurs progresser sans compétition? Alors justement, mais donc plus ça va être un des prochains slides, mais je peux en parler maintenant avec plaisir. On a besoin de la compétition. Et donc évidemment que la concurrence, elle nous permet d'être une meilleure version de nous-mêmes. Je dis juste que cette concurrence, plutôt que d'insulter le gars qui est dans la Formule 1 à côté de moi, ben, je vais lui dire, écoute, j'espère que tu vas passer une bonne course parce que j'ai vu tes essais et aux essais, tu roulais mieux que moi. C'est juste ça que je suis en train d'expliquer. Et en lui disant, mais tiens, en fait, le virage, là, allez, explique-moi un peu comment tu prends ce virage. Et je suis sûr qu'il va le faire parce que les meilleurs des meilleurs, ils s'échangent ce genre de best practice parce que justement, ils aiment la compétition. Ils se respectent, il y a une marque de respect, effectivement. Exactement. Et ça se voit même dans la boxe hein, où à la fin, les gars, ils se mettent en accolade et merci, grâce à toi, je suis une meilleure version de moi-même. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la concurrence, elle est d'abord vis-à-vis de nous. La compétition, elle est d'abord vis-à-vis de nous. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à partager? Parce que, enfin, on va quand même résumer un peu la situation quand même. C'est-à-dire que sur un secteur déterminé, il y a un certain nombre de maisons et de mandats. Et c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir le mandat pour soi que de le donner à son voisin. Ou est-ce qu'il faut finalement se dire, un sur deux, allez, un pour moi, un pour toi. C'est ça, bien, finalement bien. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est un vrai calcul. C'est un vrai calcul et c'est des pures mathématiques. Parce que, imaginons qu'on ait deux agences à nous battre. Ils ne sont pas très loin. Imaginons qu'elles sont… c'est pas la même enseigne, parce que voilà, ça peut arriver aussi. Deux enseignes différentes, mais toutes proches. Comment on fait? Et pour ces 10 biens, on va chaque fois se disputer tous les deux. D'accord? Eh bien, on va dire qu'on a le même niveau de compétence. Eh bien, il y en a un qui en aura 4, il y en aura un qui en aura 4, et il y en a deux qui vont se barrer, qui ne voudront plus jamais entendre parler de toi. C'est comme ça. Parce que tu te seras battu, je veux dire, face à eux. Et donc, c'est déjà des bonnes statistiques. Hein. Là, je parle déjà d'agents immobiliers très compétents. Normalement, ce serait plutôt 3, 3 et 4. Okay, mais si on prend des bons agents immobiliers, 4, 4 et 2. Alors que si c'est 10 mandats, je vais les trouver avec le sourire. Eh bien, les deux là, ils vont revenir dans la poche ici. Et si c'est mon concurrent qui l'a, c'est pas grave, surtout si j'ai créé un partage ici. Parce qu'en fait, la part du gâteau, elle est la même. C'est juste que plutôt que d'avoir du gâteau qui s'en va parce que je suis quelqu'un de compétitif, mais dans la manière, j'ai de l'assertivité, mais qui est menaçante vis-à-vis du client, eh bien, au lieu de perdre ces deux mandats qui partent en dehors de la concurrence que je sais, eh bien là, ils partent chez une concurrence que je ne maîtrise pas. Oui, puis aussi le risque de se battre sur les honoraires, enfin voilà, d'abîmer son concurrent, donc soi-même, puisqu'on a vu que ça avait un effet. C'est vraiment un scandale. Comment est-ce qu'on peut avoir des commissions aussi basses? C'est presque un manque de respect vis-à-vis de votre activité professionnelle. Et si on avait un rapport de gentleman, eh bien, vous savez, toutes les ententes, alors c'est presque interdit, hein, quand on va dans les grandes sphères, c'est interdit de faire ça parce que ça s'appelle des oligopoles. Et donc, à un moment donné, on peut imposer un prix. Hein, c'est ce que font très bien les entreprises d'énergie, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, n'hésitons pas, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'artisans, ben, au moins dans mon patelin, de bien m'entendre avec mes concurrents et dire, les gars, on ne va pas se battre ici, on est dans un Eldorado, il y a du marché. Pourquoi se prendre la tête et perdre 2 ventes sur 10 chaque fois alors qu'on peut les garder dans notre portefeuille à nous? Et donc, ça, c'est très concret au niveau du résultat. Très clair. Et tu sais, j'ai pu l'observer, ça. J'ai observé des structures qui le faisaient depuis longtemps. Alors, ce n'est pas que je veux faire leur publicité, mais comme j'en ai coaché quelques-uns, j'ai pu y assister. C'était les gens de chez IAD. Alors, j'ai mis, ils sont brillants dans leur stratégie de partage. Parce que chez IAD, eh bien, effectivement, ils n'hésitent pas à partager les mandats pour les gens qui sont sur les mêmes secteurs, pour justement que les ventes se fassent plus vite
et donc que les mandats et que en fait que le roulement financier se fasse plus vite et se fasse dans le bon sens, dans le même sens. Et donc c'est tous les gens de l'IAD qui s'enrichissent grâce à ce système. Eh bien, si demain vous mettez ça en place avec vos concurrents à très court terme, donc les gens qui sont autour de vous, eh bien vous savez générer le même mouvement. Donc ça veut dire que les mandats rentrent plus vite, que les maisons se vendent plus vite, qu'il y a moins de disputes. Donc l'énergie va dans le même sens et enrichit vos poches. Donc c'est bien plus intelligent comme manière de fonctionner. Est-ce que c'est alors on en parle, c'est l'objectif, c'est d'avoir une bonne coopération localement, mais est-ce qu'on peut aller plus loin que le local, puisque en fait, moi ce que je conseille évidemment, c'est en fonction de votre volume de chiffre d'affaires, eh bien si vous demain vous rentrez sur le marché espagnol et que vous avez une agence à Paris, il va y avoir de la compétition, c'est normal, c'est un peu de l'envahissement de terrain, vous débarquez comme ça dans un autre pays. Si maintenant, vous êtes en train d'agrandir votre secteur, vos départements, mais évidemment, et moi, je vous assure que quand je me lance dans une activité, je rentre chez les gens, mais quand je dis chez les gens, je vais voir mes concurrents, je m'installe chez vous, dans votre région, mes intentions sont aussi hyper positives, j'adore ce métier, je suis un passionné par l'immobilier, j'ai envie que ça cartonne, on sera certainement, vous entendrez parler de moi, je suis certain que j'entendrai parler de vous, ça me ferait plaisir d'apprendre à vous connaître, et vous allez voir vos concurrents, ils vont tomber le cul par terre, si vous ayez une démarche comme celle-là vis-à-vis d'eux, et c'est très très sain. Ok. Alors, c'est clair. J'ai mis ici une photo de notre grand champion Usain Bolt hein, qui court en 9,48. Moi, j'ai une question à te poser, Thibaut. Ça, c'est de la concurrence quand même. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il va y arriver deuxième, hein, Usain Bolt. Hein. Il est content d'être premier. Hein. Ah, ça, c'est certain. Mais il n'est pas prêt à partager là-dessus. Hein. Enfin, je ne crois pas. Hein. Il faudrait qu'on l'appelle. Hein. Usain Bolt, il ne va pas partager. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il court en 9,48 d'après toi? Pourquoi il court en 9,48? Il s'est beaucoup entraîné. Il a beaucoup travaillé. Ça, c'est évident. Mais il court surtout en 9,48 parce que derrière, il en a trois là. Il en a trois qui sont en train de tenir. Ah, c'est vrai, ça. Qui sont en train de se rapprocher de ses fesses et qui courent en 9 secondes 52. Et si ces trois-là qui couraient en 9 secondes 52 n'étaient pas là, il n'y aurait pas du Usain Bolt à 9,48. Et donc, effectivement, que la concurrence, elle amène ça. Je suis obligé de me surpasser. Et à un moment, il y a toujours un élu qui va complètement exploser tous les records. Mais moi, je me suis déjà posé une question. Est-ce que j'ai besoin d'être le meilleur de mon secteur? Vous savez, moi, je veux bien être le deuxième meilleur agent immobilier du monde, hein. Même le troisième, même le quatrième en fait. Hein. Parce que si vous êtes le quatrième agent, meilleur agent immobilier du monde, personne ne vous connaît, mais je vous promets que du succès, vous en avez énormément. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, cette compétition, elle sert à quoi? Est-ce que c'est mon ego qui est en train d'être dans la compétition, dans la concurrence? Et si c'est le cas, je vous promets que vous allez vous prendre des murs, vous allez vous user et ça ne sera pas bénéfique pour vous. Ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai la stratégie et l'intelligence de me dire « Non, cette concurrence, elle va me stimuler à être dans la performance, à être dans l'efficience, mais par contre, je vais la respecter, cette concurrence, comme le font tous les grands sportifs. » Parce qu'aujourd'hui, on peut clairement comparer notre activité professionnelle à du sport de haut niveau. Intéressant, hein, pour durer d'ailleurs, c'est une nécessité. Intéressant. Exactement, et surtout, mais l'énergie déployée à aller dans le bon sens, c'est de l'énergie économisée, puisque je ne suis pas obligé d'aller dans le mauvais sens, en l'occurrence, aller me disputer et dépenser beaucoup de sous et beaucoup de ressources pour au bout du compte, pas grand-chose. Et tu sais, on peut même regarder les secteurs dans lesquels il n'y a pas de concurrence. Et regardez ce qui se passe quand il n'y a pas de concurrence. Eh bien, il y en a un, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être aussi avec Idrissa Berkane dans une de ses sociétés. Et il y a un secteur dans lequel il y a très peu de concurrence depuis trop longtemps, c'est l'enseignement. Eh bien, regardez ce que l'enseignement vaut aujourd'hui en France ou en Belgique. Eh bien, quand on voit les classements européens, c'est une catastrophe. Quand on voit le niveau d'acquisition de compétences, c'est une catastrophe parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de concurrence à l'enseignement. Et donc, c'est très bien qu'il y ait des écoles privées qui se mettent en place et tous des enseignements alternatifs parce que ça va être obligé que l'enseignement va devoir se remettre en question et donc proposer des nouvelles alternatives. Donc, le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est toujours, toujours positif. Très, très clair. Écoute, tu es en train de me convaincre, hein, même si je… J'étais quand même bien positionné déjà au début de cette discussion. Non, mais c'est intéressant, vraiment, c'est intéressant. Parfait. Alors, je sais que si j'arrive à te convaincre toi, j'arrive à convaincre d'autres personnes. Ah, mais oui, je suis là pour ça. Fais un bon cobaye. Génial, merci Thibaut. Je regarde s'il y en a des questions. Pas encore, mais ça va venir. On va avoir des questions, c'est sûr. On va avoir des questions, c'est certain. Alors, comme je disais, l'énergie va dans le bon sens. Et donc, posez-vous la question, en tant qu'agent immobilier, allez
allez, ayez l'audace d'aller à la confrontation avec vos clients et de leur poser la question, qu'est-ce que vous pensez des agents immobiliers en règle générale? Et posez-leur la question, mais qu'est-ce qu'ils devraient faire de mieux pour ne plus qu'il y ait cette image? Eh bien, vous allez tomber le pépette par terre. Vous allez voir qu'effectivement, ce que les gens détestent, c'est les guerres ouvertes. Les gens détestent ça. Et y a même, c'est connu, on ne va pas laver son linge sale en public, dit-on, dans les maisons. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le secteur avec les agents immobiliers, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers ici qui nous regardent. Mais pourquoi aller tout le temps critiquer mes concurrents? Les gens que vous avez en face de vous ne sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour que vous les disiez, vous avez une belle maison, vous avez un bel appartement, je vous félicite, on va vous vendre ça vite si vous voulez qu'il soit vendu vite, on va vous le vendre cher si vous voulez qu'il soit vendu cher, mais de la bonne manière, avec le bon service. Donc, pensez vraiment satisfaction client et s'il vous plaît, pensez à la pérennité de vos activités. Il y a trop aujourd'hui de gens qui se lancent dans le business avec une volonté très court terme de faire beaucoup d'argent tout de suite, quitte à ce que cet argent soit fait d'une mauvaise manière, ou en tout cas que ce soit pas rentable ni pour l'entreprise ni pour le client. C'est pas du win-win qui est créé. Pensez pérennité, et ça va redorer l'image des agents immobiliers, et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Parce que vous savez, moi j'ai connu les agents immobiliers qui demandaient des commissions à 5, 6, 7, 8%. J'ai connu ça. Et maintenant, aujourd'hui, je vois des choses qui sont sur Internet ou qui vendent à 1%. Mais ça s'appelle le nivellement par le bas. Hein. Ce n'est pas du nivellement vers le haut. Hein. Et ça, c'est typiquement comme l'enseignement. Je rends tout facile et on ne peut plus doubler et ainsi de suite. Et donc, bah, évidemment, les gens n'apprennent pas. Eh bien, Alors, si. c'est quand même une forme de concurrence, parce que là, je ne sais pas. Alors, justement, tu dis qu'il faut justement apprécier la concurrence Bien sûr. et aller dans le bon sens, avec une bonne énergie, parce qu'il y a une concurrence aujourd'hui qui arrive en étant moins cher. Exact. Eh bien, cette concurrence qui est moins chère ne pourra pas proposer autant de services que vous. Et donc, Clair. mettez vraiment en avant tous ces services supplémentaires. Et je Clair. vous assure que pour une grosse partie du marché, eh bien, les gens préfèrent plus de services et sont prêts à payer plus pour du service. Et ça, c'est l'économie qui nous le montre. Il y a des milliardaires partout qui se font dans le monde. Il y a de plus en plus de services. Toutes les marques de luxe explosent. Les gens veulent plus de services, veulent être plus cocoonés, veulent être plus protégés. Les clients ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin de quelqu'un qui les accompagne. Donc la clé, encore une fois, c'est de montrer sa différence. C'est d'expliquer en quoi on va apporter davantage de services que l'agent immobilier, le confrère du coin. Et d'ailleurs, on n'en parle pas en premier, hein, c'est bien ce que tu nous as dit. C'est que d'abord, on présente ses services, on présente le bien. Et s'il y a une question, on sait présenter ou en tout cas montrer sa différence en premier. Exact. Et donc surtout, ça veut dire que je dois maîtriser mes concurrents. Ça veut dire que je dois les connaître. Et vous savez, moi, je vais toujours voir ce que les plus anciens et ceux qui font le plus de chiffre d'affaires font. J'ai une boîte là qui fait 2 millions de chiffre d'affaires dans le bien-être. J'ai un concurrent mondial qui fait 2 milliards. Eh bien, je vais observer comment est-ce qu'ils ont grandi, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver de 1 000 fois plus que moi. Et donc, c'est moi qui ai à apprendre, évidemment, de ces entreprises. Ils ont fait des études de marché avant moi. Ils connaissent donc le marché avant moi. Je vais aller voir sur leurs médias sociaux, mais tiens, mais eux, qu'est-ce qu'ils font sur les médias sociaux? Parce que bon, ben, je vais investir de l'argent dans des médias sociaux, mais je ne sais pas combien je vais investir. Et puis, je fais un rapport, mais tiens, si tel concurrent, il a autant de vues et que ça génère autant de chiffre d'affaires, ben, si moi, je mets autant d'argent sur la table, je vais faire autant de vues, ça va me faire autant de chiffre d'affaires. Et donc, tu peux créer tous les rapports, faire toutes les règles de trois que tu veux pour analyser les chiffres de ces géants et les mettre en place pour ta plus petite structure. Donc, Très, très intéressant. vive la concurrence. C'est un puits de science. C'est un puits de savoir, c'est un puits d'intelligence, de processing. Et puis même chose, si vous avez un concurrent, imaginons que demain vous implémentez un outil CRM dans votre entreprise. Alors les Français, vous appelez ça un CRM, je pense, hein, CRM, tout c'est un simplement. CRM Oui. aussi. Hein, OK. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Et j'ai peut-être trois propositions avec des montants faramineux. Et qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir un concurrent et lui demander, mais toi, tu utilises quel système? Et il va peut-être te dire, écoute, moi, j'utilise celui-là, n'utilise surtout pas celui-là, c'est de la merde. Ou il va te dire, écoute, utilise plutôt celui-là. Mais vous imaginez le gain de temps et le gain d'énergie juste à poser la question à votre voisin, en fait, au bout du compte. Hein.
C'est à votre voisin que vous posez la question, hein. C'est quelqu'un qui va vous voir grandir et dans 10 ans, vous serez peut-être encore dans le même secteur d'activité que lui, mais autant bien s'entendre et se faire gagner des sous mutuellement, hein. Et donc, ce n'est pas juste en termes de mandat. Alors, justement, on a vraiment une question qui est un peu dans la même idée, c'est comment réagir face à un concurrent malveillant qui, lui, n'hésiterait pas à nous démolir? C'est une question de Stéphanie. Eh bien, très bonne question, Stéphanie. Eh bien, moi, je suis convaincu. Tu sais, je parle souvent, je compare la vente à de la séduction. Eh bien, si demain, tu rencontres deux monsieur et qu'il y en a un qui est effectivement malveillant et qui descend la personne, votre deuxième rancard. Donc, il dit, ouais, tu vas voir, fais attention à ça, 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 ça. Et qu'à ce deuxième rancard, la personne, il vient, il est super bienveillant. Et quand il vous pose des questions par rapport au premier rancard, il dit, non, en fait, c'est un mec bien, je sais qu'il fait ça de bien, ça de bien, ça de bien. Mais posez-vous la question de comment elle va vous percevoir, vous. Je vous assure que vous gagnez à 100%. Vous gagnez à 100%. Parce que c'est électromagnétique. Votre vibration va faire que la personne qui est en face, elle va d'office comprendre que vous êtes une meilleure personne et que vous allez plus l'aider dans ce qu'elle entreprend. Donc, Quel ne que pas soit. répondre, en tout cas, ne pas répliquer, au contraire, en fait, en dire le moins possible sur le concurrent, et puis par ses actes, par ses actions, par sa façon d'être, prouver, montrer le contraire. Exactement, exactement. Et ça veut dire, c'est à un moment donné, c'est accepter les défis, les challenges, c'est accepter la compétition. Et il y avait comme ça une super métaphore avec une histoire qui se passe en Thaïlande, et c'est un roi thaïlandais qui veut absolument un coq de compétition. Et chaque fois qu'il va voir le gars qui prépare les coqs, il dit non, 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 il n'est pas prêt. Et puis un jour, il amène le coq qui est tout petit, tout musclé, et aucun coq ne bouge. Et puis il dit, bah, regarde ton coq, en fait, il a l'air tout moribond. Il fait, mais non, tous les autres se taisent parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de compétition. Et donc, à un moment donné, c'est ça qui est bon, c'est que vous êtes tellement bon, vous respectez tellement la concurrence, vous vous êtes tellement remis en question que votre business, il va dérouler, ça va dérouler et vous allez vous attirer ces gens qu'il faut. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment chérir la concurrence, En tout vraiment. cas, ne pas répondre, voilà, si c'était pour répondre à Stéphanie, ne pas répondre aux attaques et rester oui, sur son fil, Restez sur un son cap. gentleman, restez un gentleman. Je l'ai mis, moi je rêve d'avoir des concurrents. Bon, ici j'ai mis ce monsieur James Bond que tout le monde Quand connaît, même. mais voilà, c'est la Ça, c'est classe. de la concurrence, quand même. Là, c'est quand même c'est difficile, hein. On part quand même avec un handicap, hein, je ne veux pas le dire, mais quand même. Déjà, si tu n'as pas l'Aston Martin, c'est mal Quand barré. même, hein. Ah Tu oui, dois les là, quand même, avoir. c'est oui. Mais donc voilà, moi j'aimerais vraiment que vous compreniez qu'on vit dans un monde où on peut se créer un univers de gentleman. Ça, j'en suis convaincu. Et que cet univers de gentleman, ben, c'est d'abord à vous et mesdames aussi à être des gentlemen. Et plus vous allez être des gens puissants au niveau de votre business, respectueux de la concurrence et connectez-vous à tous ces grands sportifs que vous admirez tant et qui sont aussi respectueux de leurs adversaires que vous pourriez l'être. Je pense à des grands sportifs dans le milieu de la F1, dans le tennis, dans le golf, dans l'équitation. Inspirez-vous de ces gens-là et je suis certain que vous allez tout de suite percevoir la différence dans votre portefeuille, parce que c'est de ça qu'on parle aussi. Hein. On ne peut plus clair. Alors, est-ce qu'il y a Parfait. d'autres arguments? Moi, je suis convaincu, personnellement, je l'étais un tout petit peu, je dois te le dire, au début de cette discussion, j'étais même vraiment. Je pense que c'est beaucoup une énergie, en fait, une énergie mentale, une énergie, une façon d'être. Parce qu'on ne sait pas ce dont on sera fait demain, et puis voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, effectivement, il faut avoir au long cours une vision, donc se comporter d'une belle façon. Exact. Alors Alors, dis-moi, je continue. c'est parti. Ok, James Bond, high level, je suis d'accord. Alors donc, j'aimerais juste vous dire que je vous enverrai un petit mail avec une promotion pour faire partie d'un de mes séminaires. J'en dis pas plus, mais On voilà, connaît un séminaire. vous avez la chance, grâce à Vitrine Média, d'avoir un super tarif. Donc, je vous enverrai ça prochainement, rassurez-vous. Je continue. Je voulais vraiment faire un résumé pour que tout le monde capte ça. Okay? Le résumé, c'est que la concurrence, ça m'aide à agrandir ma zone de confort. Il faut que ça se soit complètement intégré dans ma manière de vivre et que plus je vais être proche de ma concurrence, plus je vais aller dans le bon sens. Et je vais pouvoir échanger les meilleures best practices. Et n'oubliez pas que, surtout dans le secteur de l'immobilier, vous êtes tous des artisans avec des secrets qui sont parfois inconnus de toute autre personne que vous. Et ce serait dommage de partir avec ces secrets. Deux,
La concurrence, ça permet vraiment d'augmenter le service pour le client. Nous sommes tous des consommateurs finaux, aller chercher du 5 étoiles partout. On aime le luxe, on aime le confort, on a la chance de pouvoir vivre dans un univers de luxueux et confortable. Eh bien, proposons ce type de service à nos clients. Ça ne peut que aller dans le bon sens et ne faire en sorte que de me rapporter de l'argent. C'est obligatoire pour arriver à ce genre de phénomène que je sois proche de mes clients. Vous pouvez aller voir toutes les professions d'accompagnement du monde, thérapeute, psychothérapeute, coach de vie, Tony Robbins le dit en premier, le plus grand coach peut-être de l'univers, si univers il existe, il faut être proche de ses clients, il faut de la proximité. Et pour avoir de la proximité, je ne peux pas, chaque fois que je vois un client, me disputer avec mes concurrents. Je dois arrondir les angles pour qu'on soit entre gentlemen. Et tout ça, ça va m'aider à quoi ? Ça va m'aider à être un meilleur vendeur et ça va m'aider à être un meilleur manager. Parce que tout ça, ça va circuler, ça va se savoir. Et je vous assure que j'ai des entreprises dans lesquelles j'investis et on me dit, Gilles, tu sais que j'ai des nouveaux clients qui sont venus qui ont dit, on vient juste parce que c'est Gilles. Et donc, mais ça, je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, votre réputation, eh bien, elle génère ça. Et comme je vous l'ai dit, il faut 3 10 sur 10. 10 sur 10 dans l'entreprise, 10 sur 10 dans le produit-service, 10 sur 10 dans le vendeur. Quand vous avez 10 sur 10 avec l'entreprise, vous avez déjà un tiers du chemin qui est gagné quasi ad vitam aeternam. Quand votre voiture, enfin quand votre marque de voiture elle a une bonne réputation, eh bien, il y a déjà une chance sur 3 que vous achetez la voiture. Si après, vous avez un bon vendeur, eh bien, vous achetez la voiture. Parce qu'il y aura au moins 2 sur 3. Et si en plus, vous avez un bon produit, un bon service, eh bien, d'office que ça va cartonner. D'office. Good. Donc, vraiment, là, un résumé, service 5 étoiles, de la proximité avec le client, et ça permet d'être un meilleur vendeur, un meilleur manager. Je crois qu'on a tout, là. Je crois qu'on est bien. On est bien. On est bien, on est bien. Mon frère, bien sûr. Et donc, mais je vous assure que ça existe en France, ça existe en Belgique, et ceux qui le font, eh bien, ils ont tous le sourire. En tout cas, ils ont tous le sourire. Et quand je vais dans ce type d'agence, eh bien, on sent qu'il y a de la motivation, on sent qu'il y a, en termes de valeur, il y a une compétition qui est saine. Et c'est pas une épée Damoclès au-dessus de ma tête avec quelque chose de malsain. Le management by terror, ça a existé. C'est dans les années 80, c'est ça qui enclenche des cancers, du stress, et j'en passe, c'est des meilleurs. On est dans un univers aujourd'hui où on a, eh bien, on peut analyser ce passé pour en tirer les leçons. Et une de ces leçons, c'est, eh bien, accompagnons nos clients, travaillons main dans la main, ce sera beaucoup plus simple. Good. Écoute, je crois qu'on a fait on a eu une belle discussion. Sur un sujet effectivement pas simple, on parle de coopération plutôt que de compétition. C'est un mouvement, je pense, oui, pour toutes les entreprises, cette nécessité que de voir loin, effectivement, et de travailler avec son écosystème, effectivement. Et alors, ça porte un nom, Thibaut, ça s'appelle la co-compétition. Et donc, c'est collaboration et compétition qui vont ensemble. Et lorsque vous pouvez même implémenter ça dans vos équipes, donc ça veut dire avec vos commerciaux, avec vos vendeurs, avec vos agents immobiliers, créer cette co-compétition, c'est très, très sain, c'est motivant. Et on est dans le challenge entre nous, mais en même temps avec des concurrents qui sont devenus nos amis. Et là, je vous assure que votre business se transforme, vos entreprises grandissent à vitesse exceptionnelle. Et puis, vous gardez dans votre entreprise des gens qui ont cette énergie saine, cette volonté de faire bien les choses. Et comme de par hasard, ben, ça va attirer d'autres collaborateurs et d'autres clients comme ça. Et ça demande de la formation, effectivement, de l'accompagnement. C'est pas des sujets évidents pour tous. Et ça demande effectivement d'accompagner ses collaborateurs dans cette nouvelle façon de travailler. C'est vrai, effectivement. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez que j'aborde. Est-ce qu'on a des questions, effectivement? Est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Est-ce qu'on a d'autres questions? On a vu pas mal de choses. C'était vraiment passionnant et. Effectivement, ça répond à la problématique de comment faire plus de business ou comment nos concurrents peuvent nous aider à faire plus de ventes. Ben, en travaillant avec eux, c'est un peu ça la réponse, non ? En travaillant avec les concurrents. Enfin, il y a plein de façons de travailler avec les concurrents. On peut, il peut y avoir des rachats d'entreprises, des collaborations, des partenariats. Il y a beaucoup de façons de collaborer. Effectivement, c'est une partie importante du développement d'une entreprise. On pourrait en parler beaucoup. En tout cas, on a des messages de remerciement de Mariana. Merci Mariana.
Merci Eva qui partage des bonnes ondes. Merci pour votre disponibilité, pour votre écoute, votre présence. Gilles, on a fait une bonne intervention. Merci à toi. Merci d'avoir été là. Tu es toujours en forme. Tu donnes une bonne dynamique, tu donnes la pêche. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Merci pour cette belle présentation et on se parle dans un mois. C'est tous les mois maintenant le Club Excellence puisqu'on doit profiter des terrasses. Donc, on se voit suffisamment. Voilà, chaque mois. Et d'ici là, bonne terrasse et passez du bon temps, prenez du bon temps. À bientôt, bientôt à tous. Merci, merci Gilles. À très bientôt vite. À tous. Merci.